François Desagna, donc on vous revoit à nouveau. Vous allez de ville en ville, donc et vous allez rencontrer les exploitants, le public. Donc après Avignon, c'est Gérard May. Exactement. Donc cet accueil du public pour vous, et surtout les exploitants, c'est important de fréquenter les exploitants. Alors, en fait, c'est quelque chose. Je me rendais pas compte vraiment peut-être avant de faire cette tournée là. Mais le premier, enfin c'est. Curieusement, c'est le premier public en fait, les exploitants. C'est-à-dire que pour le coup, c'est eux qui vont nous choisir pour pouvoir aller dans les salles et qui sont un vrai relais pour que, voilà, pour que le film soit vu. Alors là, avec ce film, on a une chance incroyable, c'est que les exploitants sont tous très enthousiastes et donc voilà, ont envie d'avoir notre film dans leur salle. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, ouais, en effet, c'est hyper important. Alors, ça poursuit justement l'adoption. Donc le film, c'est Adopter un veuf. Exactement. Là, c'est Adopter un film. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Il faut qu'il vous adopte aussi. Voilà, donc, c'est tout à fait si ça. Vous avez déjà tout à fait vu ça. Au film précédent, ouais. Là, il a fallu vraiment qu'avec eux, vous fassiez un travail de promotion presque. Oui, de promotion. Après, ça se fait de manière. Un public comme un autre. Ouais, déjà. Et puis après. Leur accueil est tellement sympa, tellement agréable, etc. Enfin voilà, tout se fait, ça se fait en douceur et on est très très heureux de le faire. Ouais. Alors, le film Adopte un veuf, donc est parti du. Nous on connaît le site Adopte un mec, ouais. Adopte un mec. Ouais. Hein, voilà, donc il va falloir peut-être maintenant adopter beaucoup de choses. Hein, oui, mais je crois qu'il y a eu, il y a eu pas mal de ouais, il y en a eu. On peut adopter un vieux, on peut adopter un animal. Ouais. J'étais avec Bérangère l'autre jour, on se baladait, on était à Aix-en-Provence, je crois, et on entendait des jeunes parler, et puis il y en a une qui dit, tout d'un coup elle disait, on pourrait faire adopter un chien, mais tu vois, totalement déconnecté, des jeunes qui étaient vraiment. Donc oui, je pense que c'est un truc qui est maintenant qui est un peu dans l'air du temps. Voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre ça dans les esprits. Voilà. Alors, mais là, le film, c'est Adopte un veuf, mais c'est plutôt aussi, puisque le veuf est chez lui. Oui. Donc c'est peut-être lui qu'il vaut mieux qu'il adopte les colocataires. Il y a une double, il y a une double adoption. Voilà, parce que c'est lui qui donne son accord quand même. Il faut que ce soit lui qui donne son accord. Mais c'est vrai que c'est des gens c'est l'histoire de gens qui se trouvent les uns les autres. Et donc oui, il y a une adoption commune. Alors, ce qui est étonnant dans votre film, c'est qu'on se rend compte que le logement est un problème qui touche un petit peu tous les corps de métier et tous les âges aujourd'hui. Oui, c'était quelque chose qu'on avait envie de raconter, de ne pas mettre juste de manière un peu simpliste trois étudiants avec lui dans le truc, qui sera aussi une réalité. Oui. Mais on trouvait intéressant d'ouvrir aussi le sujet en racontant que Arnaud Ducret, il joue un avocat, qui est un jeune avocat, qui débute, qui est commis d'office et qui, parce qu'il se sépare de sa femme, du coup, il va se retrouver dans l'impossibilité de se loger à Paris. Donc, il cherche une colocation. Et donc, voilà, même pour les gens qui ont du boulot, c'est compliqué de se loger. Alors, justement, j'ai appris qu'à Gérard May, il y avait une association. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Non. Il y a une association, justement, qui adopte des jeunes. Ouais. Justement, c'est les personnes âgées qui ont de la place chez eux. D'accord. Qui louent aux étudiants les chambres. Mais c'est rigolo parce que c'est à Compiègne. On a eu la visite. Quelqu'un est venu voir le film, une dame, et nous a dit qu'elle avait créé une association aussi comme ça. J'ai l'impression que, on rencontre de plus en plus de gens qui font ça. Donc, peut-être on va leur faire de la pub, en fait. C'est ce qu'on appelle la solidarité aujourd'hui. Oui, c'est une forme de solidarité, sans aucun doute. Après, c'est au-delà de la solidarité. C'est-à-dire que je pense que c'est un vivre ensemble qui doit être quelque chose de naturel. Ouais. Alors, chacun dans le film a ses habitudes, parce que c'est vrai que vivre avec les autres, c'est pas évident. Ouais. Est-ce que vous avez des petits tocs, si vous l'avez fait ou pas, de la colocation quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous avez des choses que, je sais pas, il y a des gens qui sont maniaques.
Bourguignonnais qui aiment bien les choses, il y a des gens qui aiment bien que le frigidaire soit bien rangé, il y a un tas de choses, il y a des gens qui sont bordéliques. Donc est-ce que vous avez des petites choses comme ça, si vous avez vécu en colocation, qui vous exècrent? Ouais, alors je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement. Après oui, il y a deux détails, c'est quand les chaussures qui traînent. Moi, je vis dans une famille où on laisse beaucoup traîner ses chaussures un peu partout. Et aussi on ferme pas les tiroirs aussi. Je sais pas pourquoi, c'est débile, hein, ça c'est pas grave. Et pourtant je me dis, non, mais pourquoi on ne ferme pas ce tiroir? Donc du coup je referme les tiroirs souvent. C'est comme et dans le film, il faut nettoyer la douche. Voilà, exactement. Et du coup, Bérangère, qui elle a vécu en colocation pendant plus d'un an et demi, je crois, elle raconte aussi souvent que. Au début, elle s'était avec la jeune fille avec qui elle s'était mis d'accord sur la propreté. Elle était super d'accord. Oui, il faut que ce soit propre. Et en fait, elle s'est rendue compte très vite que c'était pas du tout sur la même propreté qu'elle était. Donc il y a des obsessions. Il y en a une qui voulait que le sol soit très propre. Il y en a une qui voulait que les trucs soient bien rangés, etc. Et les notions sont assez variables. Ouais. Oui, alors donc ça permet d'apprendre mieux à se connaître. Exactement. Et là, vos personnages, eux, ils vont se connaître même socialement, pas obligatoirement partageant. Le même appartement, mais socialement aussi, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin chacun des autres, soit pour l'amour, soit pour la sympathie aussi qui peut venir et le côté filial par rapport au personnage d'André Dussolier, qui lui est veuve justement, et qui a aussi un besoin d'avoir des enfants et plus jeunes que lui aussi pour pouvoir communiquer et savoir ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça, c'est aussi un relais social, c'est presque en même temps quelque chose d'intergénérationnel. En fait, c'est ça, c'est le premier relais social, c'est la famille en fait. Oui. Et du coup, c'est un peu ça qui se crée, c'est-à-dire que autant les jeunes qui arrivent chez lui vont l'aider, lui, à passer l'étape difficile du deuil, et petit à petit, au fil du film, il va être de plus en plus dans l'acceptation de la perte de sa femme, et finalement, d'une certaine manière, revivre. Et parallèlement à ça, lui, justement, en effet, il va jouer cet rôle de figure paternelle qui va chacun, il va donner un peu une voie, une direction, des conseils, etc. Donc du coup, c'est en effet le premier lien social. Je pense que c'est cette espèce de lien de transmission paternelle. Alors on parlait de la famille il y a quelques instants. Avec votre frère Vincent, ouais. Est-ce que vous, justement, vous êtes complètement opposé à certaines choses? Est-ce que vous avez les mêmes, parce que vous avez déjà travaillé ensemble? Oui, on a souvent travaillé ensemble. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de complémentarité ou qui peut faire petite source de petits conflits? Ah, je sais pas, j'ai l'impression. Non, on s'entend hyper bien avec mon frère. Après, oui, forcément, sans rentrer dans les détails privés, mais oui, on a forcément des choses qui nous énervent chez l'un et chez l'autre, on est très différents. Mais on s'entend quand même très très bien. Et voilà, je serais incapable de sortir une anecdote d'un truc. Les préparations des films que vous faisiez ensemble et tout, est-ce que Non, ça. Toujours d'accord sur le. Oui, après on a des rôles qui sont très très différents. En plus, c'est un comédien qui, d'une manière générale, vraiment se fond totalement dans les rôles dans lesquels il joue. Il est en totale confiance avec les réalisateurs avec qui il travaille. Donc on a l'avantage qu'on a dans notre lien familial, c'est qu'il y a une complicité. Qui était là, qui est antérieure, et voilà, qui est une complicité qui est nécessaire dans le travail qu'on fait. Cette complicité, on l'a naturellement. Vous êtes plus introverti, lui plus extraverti. Ah oui, sans problème, bien sûr, oui, sans aucun doute. Oui, c'est quelque chose que vous avez tout de suite. Ah oui, oui. Lui, là, à ma place, il est super marrant, il est, voilà, il machin. Moi, là, je suis là, je vous réponds, mais je me sens pas très. Je sens que je suis un peu anxieux. Ouais. Donc, quand vous êtes avec lui, vous êtes plus à l'aise. Ah oui, il me met totalement à l'aise et quand je suis, moi j'ai tendance à me planquer, à être un peu dans mon coin et tout, et puis il me chope par l'épaule, il me présente aux gens, il me dit ah regardez ça c'est mon frère, il est réalisateur, etc. Il aime bien me mettre en avant quand moi j'essaie de me planquer en fait. Alors l'appartement c'est un lieu essentiel, hein, puisque c'est vrai que c'est là où l'on vit quand on est en colocation, parce que c'est vrai que parfois les colocataires ne vivent pas automatiquement à l'extérieur. Donc là, pour cet appartement,
Il a fallu faire des concessions ou il était comme ça l'appartement ? Non, l'appartement il était comme ça, mais on l'a choisi comme ça. C'est-à-dire que il y a eu un casting d'appartements. Non, on en a visité beaucoup. Ils n'étaient pas tous bons justement. Non, On en a visité beaucoup. Ça nous a créé d'ailleurs quelques sueurs froides parce qu'on sentait le jour du tournage approcher, on n'avait pas encore choisi notre appartement. On avait besoin, il y avait plein d'éléments qui faisaient que voilà, il fallait cocher toutes les cases pour que ce soit l'appartement idéal, et notamment un des éléments importants c'était justement sa facilité de le filmer, surtout avec moi les idées de mise en scène que je pouvais avoir, et notamment j'avais envie d'une fluidité dans les mouvements des personnages et donc du coup de la caméra. Pour ça il fallait justement un espace qui me permette de bouger le plus facilement possible. J'avais envie que les pièces soient ouvertes pour avoir des profondeurs, pour pas voilà, être enfermé, d'avoir mes personnages sans arrêt derrière, sur des murs, etc. Parce que du coup, voilà, je voulais totalement éviter d'avoir une sensation un peu trop claustrophobique, alors que justement, on passe quasiment, je ne sais pas combien de pourcents du temps, mais une grande partie du temps dans l'appartement. Je voulais que ce soit aéré malgré tout, quoi. Est-ce qu'il y a une scène, pour finir, est-ce qu'il y a une scène qui était plus difficile à faire que d'autres, où vous êtes plus amusé? Oui, oui. Qu'on verra sur le DVD, sur le bonus DVD peut-être. Non, il y a une scène qui est dans le film, dans laquelle on s'est à la fois beaucoup amusé et en même temps qui a été très très compliquée. C'est la scène avec les animaux à la fin. Alors je ne sais pas si je peux en dévoiler beaucoup, mais alors, tourner avec des animaux c'est très compliqué. En plus, nous on a choisi de tourner avec des animaux exotiques. Donc c'était pas simple, et surtout il a fallu vaincre la phobie de chaque comédien pour certains animaux, et ça a pas été simple. Et puis bon, au-delà de ça, voilà, dans un décor un peu compliqué, une seule journée de tournage, très très chaud, etc. Enfin voilà, c'était une journée très très intense. Ça c'est le plus mémorable pour vous et le plus difficile, parce qu'on dit que les animaux et les enfants c'est le plus difficile. C'est très difficile, ouais, non, c'est la plus, c'est en effet en termes de difficulté c'était la plus difficile. Après c'est en relation avec le reste du tournage, qui était un tournage, on va dire, plutôt, on va dire, dans une certaine façon assez simple, puisqu'on était quasiment tout le temps dans cet appartement. Donc voilà, on était dans une ergonomie de tournage qui était plutôt cool. Voilà, que vous aviez des comédiens adéquats et qui étaient surtout jouer la partition. Ouais, l'essentiel en effet. Voilà, ouais. En tout cas, c'est ce qui rend crédible le film. Ouais. Nous, on vous remercie pour, merci à vous. Merci beaucoup. Pour ce film Adopte un veuf, mais on espère que le public va adopter ce film aussi. Oui, on l'espère aussi. Rappelez-nous la sortie. Le 20 avril. Le 20 avril, voilà. C'est bientôt. Donc, c'est très bientôt. Adopter. Très bien, voilà. Merci. S'il fallait adopter quelque chose, une idée d'adoption comme ça qui n'existe pas. Ah mince, j'ai pas pensé, ça c'est une bonne question. Un mouton. Un mouton, quand tu adopterais un mouton, ouais. Qu'est-ce qu'il faut adopter? Faudrait, je sais pas. Peut-être pas quelque chose de matériel, justement. Non, je pense qu'en ce moment, il faudrait, je sais pas, adopter François Hollande, je pense. Le pauvre. Pour le rééduquer. Je suis triste pour lui. Oui. Ben, voilà, mais heureusement il n'y en a qu'un. Oui, c'est ça. Parce que au moins il y en a un qui l'a adopté, c'est bon. Quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. François Dezania. Merci. Oui, j'allais vous dire Vincent parce qu'on a parlé de vous. Ah bah oui. Voilà. Merci beaucoup. Ouais.